Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo spéciale qui sera sûrement en deux parties. Du coup, pour vous faire un petit récap de mon anniversaire et de ce qui va se passer du coup dans les prochaines vidéos. Donc là, dans cette vidéo-là, on va faire une ouverture de petit booster qu'on a eu à McDo. On va faire également une ouverture de boosters qui m'ont été offerts par mes abonnés et qui sont aussi des petits loulous de mon école. Donc celui-là c'est le booster qui m'a été offert par Lily. Celui-là c'est le booster qui a été offert par Red Gab. Et celui-là par Issian la Queen et Shaima la Best. Donc c'est que des petits loulous à moi que j'ai eu à l'école ou que j'ai encore à l'école qui me les ont offerts. Et donc on va les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Ma femme m'a également offert cette très jolie ETB Origine Perdue qu'on ouvrira prochainement dans une prochaine vidéo où on espérera avoir du hit parce que le taux de drop il est vraiment 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 mais vraiment pas énorme, donc j'espère vraiment qu'on va avoir de la chance pour comme sur les deux dernières ETB qu'on a ouvertes. Donc on va commencer tout de suite et puis on va commencer on va dire par le moins bien hein, nos petits boosters Pokémon. Donc vous savez tous hein, vous avez déjà vu plusieurs vidéos dessus, il y a le petit machin, la petite toupie, le petit jeu, tout ça, mais ça on s'en fiche. Enfin en vrai si, je le garderai peut-être pour l'école pour jouer avec les loulous. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 et 5 boosters. Donc c'est à chaque fois la même pochette. La numéro 3, logiquement, c'est pas les mêmes cartes qu'il y a dans les boosters. J'espère en tout cas, parce que sinon je vais pleurer. Mais normalement, non, c'est pas censé être les mêmes. C'est juste la pochette et sa composition qui changent. Hop. Donc, premier petit booster McDo qu'on essaye d'ouvrir correctement, comme ça on pourra le garder en souvenir celui-là. Voilà. Très bien. Donc, on a un tournicoton. Donc voilà, petit tournicoton. En brillante, du coup, en holo. En chouette, drailleul et pan-barbare. Ok. Donc c'est une petite collection hein, de 15 cartes. Donc bon, normalement, ça devrait se remplir assez facilement. Pareil, s'il y a des abonnés qui vont au McDo, qui prennent des Happy Meal, mais qui jouent pas forcément aux cartes Pokémon, n'hésitez pas à me les faire passer. Donc là, on a Brindibou en holo, Coxie, un très joli Leclas, avec la championne d'arène, je sais plus comment elle s'appelle, qui est un Belle des Neiges, là. Un très joli Chelours. Voilà. Hop, troisième petit booster. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, vous attendez pas à avoir des VMAX ou des machins ou des trucs. C'est que des cartes standards. Hein. C'est des petites rééditions. Tout ce qu'il y a de plus banal de chez McDo. Et ben voilà, le petit Pikachu en holo. Le Coxie, le Drailleul et le Chelours. Hop. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'on a? On a un très beau Kelurior en holo, un Enchouatte, un Drailleul et un Pan-Barbare. Un Caninos en holo, un Coxie, un Loclas et un Bondibou. Donc voilà pour les petites cartes McDo. Donc je ferai la compta plus tard et je vous dirai du coup combien de cartes ça nous fait pour cette petite collection du coup McDo. Ça c'est le petit booster que je garde. Et du coup on va se faire du coup ces petits boosters cadeaux des petits abonnés chouchous. Alors Lily, évolution céleste. Alors ce qui est vachement cool c'est qu'effectivement sur évolution céleste et point de fusion, le taux de hit, il est hyper cool. Donc c'est vrai que ça pourrait être relativement sympa d'avoir un bon hit qui sort. On va avoir ça. Hein. Hop, déjà le petit code. Voilà, on va commencer par là. Hein. Les classiques. Oula, 1, 2, 3, 4. J'ai pas eu à le faire pour les cartes McDo, du coup ça m'a perturbé, j'avais oublié de le faire. Alors, la petite carte énergie, donc énergie combat. Le très joli Guerry Aigle. La glace chanceuse. Très beau Tentacruel.
un Flabébé 1000 points, un Carvana, un Krabicoc, un Watt-Watt, un Soporific, un Watt-Watt en reverse et... Oh là, il y a quelque chose. Un Hydralga mortel en full art. Hydralga full art. Eh ben merci ma petite Lily. Pour le coup là, voilà. Mortel. Merci, merci beaucoup de ce petit cadeau, du coup, ce petit booster très productif. Avec bah, direct d'emblée une petite Hydralga. Comme je vous ai dit, c'est vrai qu'en général, évolution céleste, il y a quand même des bons drops qui sortent. Donc c'est assez cool. Ça fait du hit hyper sympa à avoir. Et puis si je vous dis pas de bêtises, j'ai le deuxième qui va avec. Alors, je crois pas qu'il soit en full art par contre. Mais c'est quand même une très jolie carte. Très content. Donc le petit point de fusion qui nous a été offert donc, par notre petit abonné youtubeur Red Gab, que j'ai aussi à l'école. Voilà, parce que donc pour ceux qui le savent pas ou qui s'en rappellent pas, je suis animateur. Hop, donc le petit code. Et c'est donc pour mes petits loulous de l'école que j'ai ouvert cette chaîne. Parce que donc ils me demandaient à chaque fois qu'est-ce que j'avais dans mes ouvertures. Et un jour, bah, il y en a un qui m'a dit, bah, pourquoi tu fais pas une petite chaîne YouTube, comme ça on peut tous regarder. Et du coup, bah, j'ai fait, et puis bah, ça prend très bien. Donc, la petite carte énergie électrique. Donc là, on est sur du point de fusion. Donc, pareil, en général, il y a du 8 qui tombe. Donc, un solourdeau. Nigo Mix 3000. Blanc coton. Feuillajou. Moumouton. Pan d'espiègle. Darumaron de Galar. Oui, messire. Un très beau Motisma en reverse. Et un Serpang point de fusion. Donc, pas de hit, mais une carte rare, normale, pour la fin. Donc, très bien. Red Gab, désolé, c'est pas toi qui gagne ce concours. Pour l'instant, c'est ma petite Lily. Et voyons voir si Shaima la Queen. Non, Shaima la Beast et Isiane la Queen. Pourront faire mieux qu'une full art, mais je pense pas. Je pense pas. Après, tout est possible, hein, mais pour le coup, le taux de hit pour origine antique, il est très compliqué. C'est ce que je disais justement avant à mon loulou, on parlait de la display origine perdue. Malheureusement, sur la plupart des vidéos qu'on voit, le taux de drop, il est vraiment très difficile. J'ai déjà vu plusieurs personnes qui ouvrent des ETB origine perdue. Bah, y a soit rien qui sort, soit une misérable carte, soit deux petits hits. Mais c'est vraiment hyper compliqué de packer quelque chose sur les ETB origine perdue. Mais bon, je voulais la faire forcément parce que bah, c'est un item que j'ai pas eu encore. Donc elle va passer par là. Donc là, petite énergie, donc acier, petit luminéon, portail mirage, Chartor, Zorua de Ishui. Blizzy, Machoke, Pikachu, Liputu, Porygon en reverse et non, il n'y a rien. Migalos. Migalos en rare. Donc voilà pour cette petite ouverture d'anniversaire. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de cartes rares que les cartes ne me servent à rien. Il y a peut-être des cartes que je n'ai pas et que je vais rajouter à mes classeurs par la suite. C'est pour ça qu'à chaque fois en commentaire, je vous mets des petits commentaires du récapitulatif de la vidéo pour vous dire dans chaque collection combien de nouvelles cartes ça me fait. Donc vos achats ne sont pas inutiles, je vous remercie de les avoir faits. Et vraiment merci pour ces petits cadeaux, c'est vraiment hyper sympa d'avoir pensé à moi. Je vous fais des gros bisous et donc on se revoit sûrement pour une deuxième vidéo dans une deuxième partie. Dans une deuxième partie, soit aujourd'hui, soit dans les jours qui viennent, parce que bah, du coup, il y a pas mal de cadeaux d'anniversaire que j'ai pas encore eu ou que j'ai pas encore reçu. Du coup, voilà, on se fera un petit haul et puis après, on fera des ouvertures, bah, du coup, des items que j'aurais réussi à avoir pour mon anniversaire. Voilà, donc je vous fais des bisous à tout le monde. Je vous remonte le petit Hydralga, hein, pour le plaisir. Je vais voir si je peux vous trouver son copain. Son copain, mais après en vrai on a tellement de cartes que laisse tomber. Je vais voir si je vous le trouve quand même.
En plus, je crois que je l'ai en double. Si je ne dis pas de bêtises. Où est-il? Hop, donc c'est pas ça. Donc il est peut-être par là. Là, on est sur du Pokémon Go. Pokémon Go. Hop, là. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah, donc vous voyez, c'est un Hydreigon V. Mais du coup, non. Je pensais l'avoir en full art, mais non. J'ai dû la rêver. Il me semblait que je l'avais en double en plus, apparemment non plus. Là, c'est du célébration. Ah bah si. Ah voilà, elle est là. Ah bah non, du coup, il y en a trois. Il m'en manque encore une, du coup. Évolution céleste. Galvagon V. Hydralga. Et il me manque le Hydragon en full art, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien ça. Bon bah voilà. Allez, des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire sonner la petite cloche, etc., etc., les commentaires. Et on se revoit très bientôt. Bisous et encore merci tout le monde.